Est-ce que vous êtes ensemble? Laissez les instruments, venez prier. Venez ici, rentrez ici ensemble. Rentrez ici. Gloire à Jésus. Je demanderai au papa. Le papa dans la famille va commencer à déclarer des belles paroles pour sa famille. Ensemble avec la maman, déclarer des belles choses pour vos enfants. Ainsi, moi, je vais commencer à déclarer des grandes choses ici. Ensemble, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Déclare, déclare. Si ta femme, elle est restée à la maison, tu mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Déclare, déclare des choses que tu veux que le Seigneur puisse accomplir. Jésus-Christ est merveilleux. Seigneur, je déclare que la vie sauvée. Rempli toute ma famille. Toute cette famille se présente, mon Dieu. Je déclare que ta gloire, Seigneur, soit sur nous. Je déclare, Seigneur, que cette année que nous avons commencé soit une année, Seigneur, de victoire. Soit une année, Seigneur, de réussite. Soit une année, Seigneur, de gloire. D'une percée par le Christ, il est merveilleux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tout ce qui n'a pas marché en 2018, tu aurais foi. Tout ce qui n'a pas avancé, tu aurais foi. Je ne fais plus de foi dans ma vie. Je ne fais plus de foi dans ma famille. Jésus-Christ, il est présent. Jésus-Christ, il est là. Il est le quelqu'un qui était rejeté. Gardons silence maintenant. Nous allons dire merci Seigneur Jésus pour ce moment merveilleux. Amen. 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 Le meilleur vœu et je vous souhaite le meilleur vœu de 2019 pour ce jour. Et nous reprenons notre place. Ce n'est pas fini, ça continue, ne vous inquiétez pas. Souhaitez ce pas et prenez ta place, et prenez la place. Ayer Betty. Thank you.
Est-ce que tu as pris la photo?
Alléluia. On nous parle d'un homme là. C'est pourquoi je vous dis que la vie c'est le processus entre les mains de Dieu. Je vous ai parlé de Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il est né. Et il a commencé à faire les bois. Charpentier. Qui aurait pu savoir que ce charpentier-là, c'est lui le roi des rois, c'est lui le seigneur des seigneurs, c'est lui le sauveur. Il sera assis à la droite du Père. S'il y avait des charpentiers à cette époque-là, je pense qu'il y en avait. Mais charpentier, même à cela, il y avait aussi des charpentiers. Mais il y a ce là qui est différent. Jésus, quand il a regardé les bois, il a dit, c'est moi qui l'ai créé. Et la forme que moi je veux. Et ça, quand il a dit, forme, on a dit, il est vivant. Il est ressuscité. Parce qu'il faut que ta vie. Parce que c'est comme il a eu. Puisse étonner les gens. Et quand vous savez. Le ma vie n'a rien pour étonner pas. Qui m'a vu va étonner les gens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait te voir mourir avant 2019, il est étonné aujourd'hui. Tu es vivant et tu es en bonne santé. Ils seront pas étonnés. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. C'est un processus entre les mains de Dieu. Parce que lui, il est le créateur. Il peut donner la forme qu'il veut. La Bible nous dit au commencement, quand Dieu créa l'homme, il avait pris la boue. Quelque chose qui n'avait pas de la valeur. Il les a regardés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça la nini. Avec ces boules-là. D'accord, poto. Et Dieu, comme il n'a pas un conseil, il y a des gens qui peuvent lui conseiller. Il continue à faire. Allez, alors ça là. Il a fait, il a pris le temps de faire des. Comment on appelle ça? Des orteils. Des orteils. Ah, ensuite, on a ma colonne là. Ce n'est pas les doigts. Les orteils. Les sacs. Les doigts, c'est ça. Non, les doigts. Alléluia. Amen. Il a pris le temps, frère Dani. Quand il crée les hôtels, les gens disent, oh. Les anges. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Et le Seigneur continue. Il arrive ici. Il a mis ses pieds là comme ça. Il a continué. Mais une chose, que quand il a fait ces statues-là, les gens ont regardé. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que les anges, ils n'ont pas de corps comme nous. Ils ont un corps de gloire. Et quand ils voyaient la boue, ils ont dit, mais c'est quoi? C'est de la même manière. Quelqu'un t'a regardé et dit, mais lui, c'est quoi? C'est quoi sa vie là? Il restera comme ça. Finalement, toi, tu es destiné pour changer. Tu vas aller au pour la bonne. Il y a un réhabilité, on va dire que tu ne changes pas. Non, toi, tu changes. Toi, le Seigneur a mis un programme de changement pour la vie des hommes sur la terre. Quand il a fait ses statues, les statues-là n'étaient pas prostrées. Les statues étaient debout. Mais la seule chose que ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelque chose. Alors, tous ces processus-là, et la processus, non, ce Dieu dit, je vais mettre ce qui manque. Nous avons comme que je sang à la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose qui manque afin que tu n'avances pas. Et là, moi, je sens la afin que tu n'ailles pas de l'avant.
C'est pour cela, vous savez, Jésus s'est rappelé. Un jour, quand il est rentré dans un temple, il a vu une femme comme ça. Cette femme, la tête ne se levait pas, mais elle était, elle marchait comme ça. Jésus a dit, ce n'est pas possible. Est-ce que moi j'étais créé comme ça? Jésus a dit, ce n'est pas possible. Il a dit, femme, à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever. Après, voilà, ma belle, c'est une bébé. Mettez-la en chambre, ma beau. Acclamez pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est grand, je dis, mais moi, je n'ai pas créé l'homme comme ça. Le Seigneur ne t'a pas créé pour rester la même personne. Le Seigneur ne t'a pas créé de rester toujours pleurer. Même la Bible dit il y a un temps pour chaque. Si hier tu fais pleurer, demain je vais rire. Et surtout s'il y a quelqu'un qui m'a fait pleurer, toi tu vas pleurer plus que moi. Fais comme ça. Si tu vas pleurer, yo qu'on est là 7 fois plus. Tu vas pleurer 7 fois plus. Tu vas pleurer 7 fois plus. Qu'est-ce que moi j'ai pleuré? Plus pour les gamins de la qui? Il est vivant. Est-ce que Jésus t'a fait créer pour pleurer tous les temps? Pour être malheureux pour les tous les temps. Oh ben y a-t-il là yo? Oh ben y a-t-il là yo? C'est qui doit piétiner? Non, le colon est fait boucan. Les jambes là doivent être cassées. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors le Seigneur, il a dit, quelque chose manque. Et là, comment on s'enga? Dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2. Il dit, alobi, je vais souffler. N'a qu'au fou là. Il a mis la fille. Appelle si bon, attire moi. Et ceux qui ne marchaient pas commençaient à marcher. Alors, je viens de lire un texte. Ça veut dire que pour ce thème-là, c'est un sommaire que je vais donner. Il y a un homme qu'on appelle David. David, dans l'histoire des rois. Alléluia. Amen. Il est le roi plus puissant, plus connu. Même ceux qui ne sont pas des chrétiens connaissent le roi David. Mais pour être connu, il a fallu qu'il y ait un Dieu qui doit lui élever. Alléluia. Amen. David, il est né. David a botamaki. Alors, David, comment il est né? Et David, il est né. David, il était en quelque sorte le fruit de la honte pour son père. Parce que pour les Israélites, c'était ça. David est né d'une autre femme. D'Esaïe. Vous avez un nouveau message, pasteur Didier. Alors, voilà. Si cet enfant était une fille, la honte c'était la maman qui devait porter sa honte. Mais comme il était sorti un garçon, alors le papa, il doit porter la honte de cet enfant. Parce qu'il est né comment on appelle ça, extra conjugal, n'est-ce pas? Le col a été mis à qui moi la main. Amen. Amen. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il en est salamaki. David, Daoudi, il ne restait pas ensemble avec ses frères. Comme il était la honte de son père. David, il était méprisé. Même dans sa maison. Parce qu'en Israël, un homme, un garçon, qui a de la valeur, il doit appartenir dans l'armée. Amen. Ils étaient enrôlés dans l'armée. Mais David,
On lui a pris, on lui a laissé dans la brousse. Pour paître les animaux. Pour les hommes, pour sa famille. Il est méprisé. Mais il y avait l'œil de quelqu'un. Mais celui qui est au-dessus de tout était fixé sur ce jeune homme. L'histoire de mes hôtels à Moutoumoko. Alléluia. Suivez-moi, ça c'est des choses que tu ne connais pas. On parle de David, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des indices. Alors que David, selon l'histoire juive, que quand ses frères mangeaient, il était le dernier qui doit venir manger. Il ne peut pas manger sur la table avec ses frères. C'est lui qui doit ramasser la poubelle et jeter la poubelle. Ses frères, ils étaient dans l'armée, mais David était dans la brousse pour paître les animaux. Or, comme il était fidèle dans la tâche qu'on lui avait donnée, l'œil de Dieu était sur lui. C'est pourquoi la vie de l'homme, c'est un processus entre les mains de Dieu. Dieu, il connaît chaque personne depuis les jours qu'il est né. Quand tu es sorti, alors si le monde est mystique, ils ont vu ton étoile, comment toi tu brilles, ou qu'est-ce qui se passera dans ta vie. C'est pour cela que tu vois, il y a beaucoup, à partir de l'enfance, ils l'ont détruit. S'il n'y avait pas la protection. Ou plusieurs ont été combattus depuis qu'ils sont nés. Jésus-Christ, il est né, ils ont cherché à les tuer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Et David, pour finir, je vais finir. Je veux te dire que ta vie va changer. Je veux te dire que Dieu, c'est un Dieu de changement. Je veux te dire que personne donc ne peut changer ta vie si c'est lequel éternel. Je veux te dire que Dieu, sur sa main, il a les projets de ta vie. C'est pourquoi la Bible dira, j'ai un projet, mais pas les projets de malheur. Alors si tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir pourquoi la Bible dit cela. Parce que chaque chose qui passe dans un processus, son début, c'est toujours la souffrance. Mais ce qui sort après le processus, c'est ce qui a de la valeur. Alléluia. Comme je disais, Jésus doit passer au lieu de pressoir. Si Jésus, il avait refusé, aujourd'hui, il ne devait pas voir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il est vivant. Mais il doit passer par cela. Et c'est pourquoi il avait dit, Père, que ta volonté soit faite. Et dans Luc, le chapitre que nous avons lu aujourd'hui, quand il était sur Gethsemane, parce que les douleurs étaient tellement intenses, jusqu'à ce que l'ange était venu au secours pour lui fortifier. Parce que ceux qui sont destinés pour aller plus haut, leur combat aussi est rude. Alléluia. Amen. On appelle la Lina Zalanga pasteur. Moi aussi je vais être pasteur. La Lina Zalanga apôtre. Moi je vais être apôtre. Il faut nous dire ma collègue. Il faut accepter de passer le soir. David. David. Ses frères et au front. On doit lui charger. Est-ce qu'on appelle ça à manger ou à porter pour ses frères? Alors, le produit qui était plus cher à cette époque, c'était le fromage. Il n'a pas le droit de les manger. Mais il doit les porter sur sa tête. Il va apporter chez ses frères. Mais dans son chemin, il y avait deux voitures.
personne qui te voit. Tu peux manger. L'autre voit dit. Reste fidèle. Alléluia. Amen. Ceux qui sont destinés pour l'élévation. Ils entendent la voix de Dieu. Il est Dieu.